Jésus est en vie. Le livre d'Isaïe chapitre 35. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaiera, et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même, et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau, dans le repaire qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte, nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route point de lion, nul bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront.